Bonjour Florence. Bonjour. Florence, tu es gérante d'un institut de beauté. C'est bien cela. Donc tu es bien placée pour répondre à Malika. Oui. Elle a 19 ans et elle se demande ce que c'est qu'un soin à la paraffine. Alors un soin à la paraffine vient en général pour compléter une beauté des mains ou une beauté des pieds. Ça servira par le biais de la chaleur pour faire pénétrer les principes actifs de la crème. Donc le but est de regorger les mains ou les pieds de nutriments qui va permettre justement de soulager, ça peut être des douleurs ligamentaires, ça peut être tout simplement des crevasses au niveau des pieds par exemple. Donc on va apporter les principes actifs très profondément dans la peau. Donc ce qui fait que ça marche. Alors c'est un soin qui fait penser un petit peu à la cire de bougie. Vous voyez quand vous faites couler de la cire de bougie. Donc on va au préalablement vous préparer les mains ou les pieds pour une technique bien précise, couper les ongles et repousser les peaux. Vous appliquez un masque, on va modeler légèrement un peu et ensuite vous faire tremper dans un bain chaud, tiède, de paraffine. Donc c'est quoi la paraffine? C'est un dérivé du pétrole qui n'a aucune action, quoi que ce soit. C'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Ça n'a aucun pouvoir de pénétration, mais il va agir comme une papillote, un petit peu comme quand vous faites votre poisson papillote, d'accord? Le but, c'est de faire bien pénétrer les principes actifs, les origans, le thym, etc. Donc là, c'est un peu... Là, c'est un petit peu le même principe, sauf que là, la crème, elle va rentrer très profondément dans l'épiderme. Donc, il va faire comme un petit cocon chaud tout autour. Ensuite, il suffira juste de décoller un peu et de tirer. Ah, et là, vous avez... Ça durcit. Ça fait vraiment comme de la cire de bougie, en fait. Et vous enlevez, ça permettra tout simplement de renourrir, repulper les mains ou les pieds. Et ça se fait que sur les mains et les pieds? Que sur les mains et les pieds. À une époque, c'était utilisé par les médecins pour l'arthrite. Donc, c'est souvent conseillé pour les personnes âgées qui souffraient d'arthrite ou de grosses douleurs ligamentaires. Cette technique est un peu perdue et du coup récupérée par les esthéticiennes qui le font donc dans un but soin de détente. D'hydratation. D'hydratation, de nutrition, et de relaxation, bien évidemment. Voilà. Et ça réactive aussi la circulation veineuse. Oh bah voilà. Voilà, comme c'est magique. C'est fait. Merci beaucoup, Florence. Je vous en prie. Bye bye, les filles.